Je suis venue voir la fête du bœuf et manger la bonne entrecôte. Ils étaient déjà gras, mais il y a un an qu'ils sont... C'est pour ça qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, oui. Ils partent leur faire mal, alors. Tout ce monde, ça les... Pourtant, celui-là, il est très gentil. Nous venons de Libourne, et puis, comme c'est très bien ici, on vient chaque année faire le ravitaillement. Et faire un bon petit repas avec... avec un pommerol, surtout. Un pommerol et puis le bœuf de Bazas, bien évidemment. Voilà. Vous n'avez pas vu ? École ! Et par Olivier Dutreuil, vous avez le super et le petit boucher de terre Martin, c'est pareil, ce sont les frères Lanceau. Les frères Lanceau, c'est le dernier plage que l'on vous fournira tout à l'heure, que l'on vous mettra. Et puis vous avez, on va pas oublier également. Nous sommes la confrérie des vignerons de Montagne-Saint-Émilion, donc nous sommes viticulteurs. Nous venons représenter les vins de Montagne-Saint-Émilion et nous faisons un partenariat avec la race Bazadaise pour faire connaître notre produit et en même temps l'inverse aussi. Donc j'espère qu'on pourra revenir une autre fois. On a assisté à votre manifestation qu'on voit qui est grandiose et qui est magnifique et surtout avec une belle météo. De juger les animaux d'aussi bonne qualité. Attacher tous ces animaux, je suis accueilli Mme Lamette, qui représente le lycée agricole de Bazas. Lycée agricole de Bazas, on a vu, ce sont les bêtes les plus lourdes aujourd'hui déjà, 1590 kg. Mais bon, la promotion qui arrive, est-ce que c'est une bonne promotion déjà, avant de parler de généralité? Vous parlez de la promotion des deux ou des élèves? On peut parler des deux d'ailleurs. Les deux. Alors, les élèves, là, ils me surveillent. Les deux, là, bon, soyons, une semaine l'année prochaine, ils seront encore plus lourds, normalement. Je peux prendre pratiquement le même poids, déjà. Donc, ça annonce une bonne cuvée pour l'année prochaine. Chapon et pintade. Donc, chapon au moment de Noël, et pintade, Noël et pintade. Comme les bouchers qui se permettent, et avec fort raison d'ailleurs, de vendre les différents bœufs qu'on va retrouver ici. Donc, le lycée agricole, c'est de la vente également. Pensez-y et n'attendez pas les portes ouvertes pour y aller faire un saut.
Donc vous avez tous les renseignements sur le site du lycée. Voilà, lycée agricole de Bazas. Merci. La disposition de la patronne et de tendance qui se dégage, c'est assez sauvé entre trois animaux. La boîte, bien, je suis Philippe qui a été désigné pour faire passer comme frère du jury, et il y a quand même une révélation. Oui, qualité Une élève du lycée agricole de Bazas, et comme tous les ans on présente des bœufs, et cette année on en présente deux, sur le numéro 7 et 8. Tous les ans on en présente quelques-uns, et cette année il n'y en a que deux, sur quatre qu'on avait des bœufs. On a le prix des deux plus gros bœufs. Dieu qui a créé l'univers a peuplé d'animaux le ciel, la terre et la mer. Et ces animaux sont associés à la vie des hommes. Dieu lui-même, qui répand ses bienfaits sur tout ce qui vit, nous l'a montré de bien des manières dans la Bible. Il a sauvé les animaux du déluge, en même temps que Noé et sa famille. Il a prescrit aux Hébreux le sacrifice de l'agneau pascal. Il a montré Jonas sauvé de l'abîme par un grand poisson. Et il a donné à Élie un corbeau pour lui apporter de la nourriture. Ainsi, il ne cesse de faire participer les animaux à la rédemption du Christ. Ce soir, par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, appelons maintenant la bénédiction de Dieu sur ces bœufs, sur leurs éleveurs, sur les bouchers et sur chacun d'entre nous, en louant le Créateur de toutes choses et en lui rendant grâce, sans oublier qu'il nous a placés au-dessus de toutes les créatures et que nous devons reconnaître et garder cette dignité. Les membres du jury approuvent tous remis leur cotation. Mesdames, messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Elle n'est pas finie. Le jury est en train de délibérer et dans quelques instants, 5 à 10 minutes, il nous communiquera son verdict. La soirée ne sera pas terminée. À 18h30, intronisation, salle des conférences des personnalités. Et ce soir, le grand repas de gala au hall polyvalent. Nous avons l'honneur cette année d'accueillir d'éminentes personnalités. Monsieur le président du conseil départemental, accompagné de madame la vice-présidente. Monsieur le député de notre circonscription, monsieur le président de région, très préoccupé par l'avenir à la fois de la race bazadaise et des éleveurs, ainsi que madame Gisèle Lamarque, conseillère régionale. Alors ces bêtes, vous les admirez, elles sont magnifiques. Et si elles sont aussi belles, c'est grâce aux éleveurs. Je crois que cet appel a été entendu. Vous savez qu'un éleveur de bœuf gras, la conduite d'un bœuf pendant 5 à 6 mois, sa présentation sur la place,
ça ne lui rapporte rien. Au contraire, ça lui coûte. Ça lui coûte de l'argent et il prend des risques. Les bêtes peuvent assez facilement se blesser. À partir de là, quel est son intérêt de présenter un bœuf gras? Dans le temps, les éleveurs faisaient ça pour le prestige. Ils étaient philanthropes. L'époque a changé. La mairie de Bazas, et puis surtout le conseil régional d'Aquitaine. Je remercie d'ailleurs le président qui nous est venu en aide, qui nous a accordé des subventions. Tout cela nous a permis de mettre en place au niveau communal pour que le sérieux soit à la base de l'action, de mettre en place un comité d'exploitation de la fête des bœufs gras qui associe de nombreux partenaires. Donc cette année, les éleveurs qui présentent un bœuf gras auront des récompenses à la hauteur du travail qu'ils ont fourni. En tout cas, Isabelle, Hervé, moi-même et l'ensemble du conseil départemental, nous sommes attachés à la défense de cette race. Nous y croyons beaucoup. Nous pensons qu'elle est un facteur identitaire pour la Gironde. Nous pensons que c'est la qualité dans l'assiette demain. Et donc nous ferons tout ce qui est dans notre possibilité demain pour continuer à défendre cette race bazadaise que nous aimons tant. En tout cas, mes félicitations du fond du cœur aux éleveurs. Merci.